dans la zone, en position de tir. On essaie de trouver des infos par ici. Je déploie le drone. Ennemi à terre. Ok, on s'en tire bien. C'est bon, fini? Ça va, vous tenez le coup? Merde, je commençais juste à prendre mon pied. Hop. D'après ce que j'ai trouvé, le cartel a construit une maison pour DJ Perico au village de Todos Santos. On va voir s'il est chez lui. Telle. Il t'aime encore plus que son chien. Il parle même de rejoindre la Santa Blanca. Et à 10 ans, c'est déjà un grand gaillard. Super laser. Comme son père avant lui. Gracias, gracias, mamacita. Ça me touche beaucoup. Je vais voir. Regardez par là, une caisse d'armement. Ah ouais, ça je prends. Super laser, fusil d'assaut. C'est pas sur cela. Map. Rendez visite à Perico chez lui, à Todos Santos. S'il est là, chopez-le et amenez-le-moi. Sinon, collectez au moins un maximum d'intel. Je vais me poser derrière la maison. Dis-moi s'il y a un brouillard. Non, c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a un mec là? Ennemi numéro 3. Cible abattue. J'adore cette lunette. Troisième cible. Avec les bonus de stabilité, c'est royal. Hein. C'est qui ça? C'est DJ Perico. Hélicoptère derrière toi, attention. Éviter d'être pleine lumière. En plein dedans. C'est putain sérieux avec leur feu là. Ça y aura plus de risques. Ouais ouais, là ils sont nombreux. Ils sont gentiment. En plein dedans. Péter toutes ces lumières. Il y a un ennemi au milieu d'un groupe de civils. Ouais. Regardez s'il y a un moyen plus
Attention aux civils. Furtif de rentrer. Ah, il y a un plan là. Jericho n'est pas là. Essayez au moins de trouver des intels. Ce qui fait de la lumière. C'est quoi ça? C'est un plan de, d'architecture, on dirait. On a trouvé un plan de je sais pas trop quoi. Une antenne fractale, peut-être. Si c'est l'antenne que Perico utilise pour émettre, Yessa pourra peut-être nous localiser grâce à ce schéma. Il y a des Intel et... On s'est fait griller, faites gaffe. Bonne nouvelle. Grâce au schéma que vous avez trouvé et au scan, nous avons confirmé que Perico se servait d'un programme de vivacité de fréquence simple pour chiffrer le signal. Mais pour que Pacatari puisse utiliser ce signal, il nous faut encore la clé cryptographique. Ok. On peut vous transmettre les coordonnées approximatives de Perico. À droite. À vous merci. D'aller prendre la clé cryptographique. Bowman transmet le profil de DJ Perico. Ah, une petite vidéo de DJ Perico. Cible à tuer. DJ Perico, le perroquet. Son rêve dans la vie, c'était de devenir DJ de mixtape. Donc en gros, être payé à gueuler par-dessus la zig de quelqu'un d'autre. DJ Perico. Heureusement pour la musique, la vie en a décidé autrement. Dealer à 13 ans, inculpé pour trafic de crack à 14, tentative de meurtre à 15. Plutôt que d'aller mariner en zonzon, il s'est enfui au Mexique. Un de ses cousins bossait pour la Santa Blanca, du coup il est devenu sicario, porte-flingue. Sauf que si la Santa Blanca avait épluché son dossier, elle aurait vu qu'il était recherché seulement pour tentative de meurtre. Il avait réussi à rater deux types à la vente à 4x4. Non mais vous imaginez le guignol? Tôt ou tard, ce type aurait fini par se mettre à dos tous les membres du cartel sans exception et retourner aux États-Unis les pieds devant. À un détail près, El Sueño l'avait à la bonne. Il trouvait Perico amusant. Le type était pas foutu de tirer droit, mais il avait la tchatche. Résultat... Good morning, Bolivia! El Sueño lui a trouvé un rôle, la radio pirate, la propagande. Prêcher la bonne parole et l'avènement de la Santa Blanca. Belle journée pour la cocaïne! Comme tous les jours, j'ai envie de dire, big up à mes potes de Pucara qui préparent la dernière demeure d'El Sueño. Pas la peine de trop vous presser, d'accord les gars? Ça, il sait faire, DJ Perico. Comme quoi, tout le monde trouve sa place dans la vie. Vous avez payé ce que vous deviez, surmonté les mêmes difficultés, même réussite que vos collègues masculins. Comme vous êtes une femme... En plein dedans. Vous pensez que ça ira avec mon uniforme de cérémonie? Leur lieutenant essaie de s'échapper. Qui est morte en plein milieu de la route. Il faut pas qu'elle soit là, la pauvre. Putain. Il y a un convoi pareil, mais on s'en fout. Oh, si, c'est. Non. Essayez de faire quelque chose. Je vais récupérer les médailles. Le camion fait la malle. Putain, ils m'ont roulé dessus. Les trois. Les trois, putain. Les trois, il n'y en a pas un qui m'a loupé. Ouais, prends ton temps, laisse le filet. Je pensais pouvoir l'arrêter, mais j'ai pu... En fait, ça peut être valable si j'arrive à poser une mine, mais sinon... Tu feras gaffe, il y a un mec qui est juste à mes pieds, derrière un sac de sable devant toi, en fait. Là, tu le vois sortir, voilà, là, t'es en train de le tuer. Il est mort. T'es là-haut? Ok, on est au calme. On peut aller taper dans le matos.
Qu'est-ce que t'as fait? Pourtant, je l'ai tué à bout pourtant. On les a tous eus. Y a plus qu'à aller voir ce que le camion s'en allait. Voilà. Merde, putain. Cité. Et merde. Non, 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 mais les violets nous emmerdent, c'est-à-dire que ça nous laisse moins de temps pour aller chercher les docks. On a un problème, les soldats du quartier se pointent. Ouais. Encore un étage. Tiens. Putain de merde! Il y en a encore un. Ouais. Caisse verte en face. Ennemi numéro 3. Attends, il y a un truc... Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? C'est les rebelles qui m'ont écrasé, c'est les copains! Oh les cons! Je traverse pas, regarde pas là! J'arrive! Chargé d'amorcer! J'ai fait un succès où faut péter du. Un truc. Ah bon? Oh. D'électricité avec du C4. Oh, putain, je vais déguster demain matin. C'est à l'étage. Non, en haut. Sud. Déjà là. Largement. Il y a un petit dessin, je pense.